Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 266 et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer ce qu'on a fait dans l'épisode 265, c'est-à-dire la construction de nos établis mobiles. Allez, c'est parti! Maintenant que les plateaux sont prêts, on va s'attaquer au reste de la construction en commençant par préparer le bois pour les pieds qui vont être construits à partir de chevrons. Je les coupe à la bonne longueur avec mon chariot de scie sur table, ou si les chevrons sont trop grands, à la scie circulaire sur batterie. Pour ensuite leur faire une petite séance de rabot électrique, pour d'abord enlever la surface jaune qui n'est pas super esthétique, mais surtout que tous les éléments soient plats et aux mêmes dimensions. Faire tout ce rabotage seul, c'est plutôt sportif, mais indispensable si on veut avoir un résultat correct. Maintenant que le bois pour nos futurs pieds est prêt, on va s'attaquer à la presse et on va tout repercer avec une nouvelle méthode. Pour la presse, je vais utiliser des mèches de 14 et 20, au lieu de 12 et 18 mm, et surtout, elles font 430 mm de long, donc normalement, ça devrait suffire pour installer ça correctement. Et ben en fait, les bons outils, ça change tout. Après avoir mis une batterie un peu plus violente dans ma perceuse, le perçage des trois trous se passe sans aucun encombre. Pour enlever le bois et mettre la platine de la presse en place, on va aussi utiliser une autre méthode. Je vais utiliser ma défonceuse et une fraise à copier et des morceaux de bois comme guide. Je pose temporairement mes guides avec du scotch double face et pour les maintenir un peu mieux, j'utilise mon nouveau cloueur électrique avec des pointes de 25 mm. Je me protège les oreilles et les bronches et j'enlève du bois par passes successives. Le roulement de la fraise à copier contre les guides, ce qui permet d'avoir un trou presque exactement comme la pièce à encastrer. Après vérification de la profondeur, j'enlève les guides et je peux m'attaquer au coin avec des ciseaux à bois pour pouvoir faire rentrer la platine dans son emplacement. Je fais quelques ajustements, m'assure que les trous sont suffisamment profonds, je peux remonter la platine et tester tout ça. Et ça marche nickel, la presse est enfin en place. Avant de m'attaquer à l'assemblage des plateaux, je donne un coup de quart de rond sur tous les trous pour faciliter l'insertion des futurs benchdogs. Et je profite de ma mèche de 14 mm pour percer les trous dans mes plateaux, pour éviter qu'ils ne deviennent des ramassis à poussière ou autres cochoncetés du genre. Un léger coup de ponçage et je découpe 4 bandes de quelques centimètres de haut pour assembler les couples de plateaux ensemble. Pour assembler les plateaux, je vais faire 2 incisions sur chaque plateau. Et pour ça, je vais réutiliser la méthode des guides et de la fraise à copier. Donc je fixe mes deux guides aux bons endroits, et là aussi j'enlève du bois par passes successives. Si les guides sont bien stables, c'est une méthode ultra efficace. Bon, dans mon cas, un peu cradoc puisque j'ai cassé mon adaptateur par aspirateur, mais c'est fiable et super rapide. Maintenant que les incisions ont été faites sur tous les plateaux, il est temps de passer à l'assemblage. Et là, on persuade un peu les éléments à coups de marteau, préperce et visse les éléments en place.
Pour le deuxième coupe de plateau, une des incisions est un peu de travers, donc je rectifie ça à la défonceuse et je peux assembler mon deuxième métaplateau de la même façon que le premier. Il est temps maintenant de s'occuper des pieds, et ceux-ci vont être inclus dans le plateau pour plus de solidité et de stabilité. Donc mon premier travail est de marquer les emplacements des différents pieds sur les plateaux. Je reporte les tracés sur tous les côtés avec une équerre réglable, et malheureusement, un des pieds arrive en plein milieu de l'emplacement de ma presse. On s'occupera de ce problème plus tard. Je maintiens en place mes plateaux avec mon Super Jaws, et allez hop, on découpe tout ça à la scie à main. J'aurais pu utiliser d'autres méthodes, mais celle-là me semble la plus viable vu le poids et les dimensions du plateau. Bon, et puis ça fait un peu de sport, j'essaye de découper le plus droit possible et le plus proche de la ligne. Suffit ensuite d'être patient, et petit à petit, les quatre coins marqués sur le plateau tombent un à un. Maintenant, je reporte mes marques sur les pieds et surtout, je marque les emplacements des futurs trous. Pour ensuite aller percer les deux types de trous à la perceuse à colonne, d'abord un trou à 10 mm qui permettra à la vis d'aller suffisamment profond dans le bois. Et un trou de 3 mm pour guider la vis dans son futur emplacement. Je taylorise ce travail un peu chiant mais indispensable de préparation des pieds avant l'installation. Maintenant que les pieds sont prêts, je modifie si besoin au ciseau à bois les emplacements des pieds, mets de la colle et visse les pieds à leur place. Pour s'assurer que toute la structure est bien carrée, je place des renforts en bas, ça permettra aussi de fixer les roues, donc je découpe un morceau de chevron, préperce, colle et visse le tout en place. Je refais la même chose pour la largeur et on va pouvoir mettre les roues, ici on en a 4, avec 4 trous par roue, donc 16 vis, je marque, préperce. Et on peut visser les roues en place, et une grande étape a été franchie pour ces établis mobiles. C'est pas fini, mais on s'en rapproche petit à petit. Bon, il pèse un âne mort, mais c'est un peu le but d'un établi, et personnellement, je suis super content du résultat. Alors que dire de cet épisode ? Eh ben, vous avez pu voir dans l'épisode précédent, on avait construit en fait les plateaux, et là, on a construit vraiment la structure. Plusieurs choses à dire. La structure, elle est en bois qui vient de chevron. C'était en fait le bois le moins cher que j'ai pu trouver, et qui avait une section qui était suffisante. La deuxième chose, j'ai changé la façon dont j'ai fait l'assemblage entre les plateaux et les pieds. Je voulais faire un espèce d'assemblage bizarre, et en fait ça me semblait pas suffisamment solide. Pas utiliser le bois qu'on a raboté avec Sylvie, je suis allé acheter des chevrons que j'ai rabotés, que j'ai découpés à la bonne taille, et ils ont été insérés dans les plateaux. Et c'est vrai que c'est vachement solide. La dernière chose qui, pour moi, est importante dans cette construction, c'est la presse que j'ai insérée. J'ai complètement changé de méthode. Déjà, un, je me suis acheté des grandes mèches, qui font 430 de long, et surtout je les ai achetés en laissant une petite marge, c'est-à-dire 1 mm de chaque côté. Donc au lieu de prendre du 18, j'ai pris du 20, et au lieu de prendre du 12, j'ai pris du 14. Et ça marche très bien. Ça marche très bien, sauf que le placement de cette presse, je l'ai fait avant de mettre les pieds, et bien sûr,
le pied vient couper à moitié l'endroit où doit être la presse. Donc, dans le prochain épisode, je vais réintégrer pour la troisième fois cette fameuse presse. Je vais essayer de la positionner correctement. Et il y a encore pas mal de petites choses à régler dans l'épisode suivant, qui sera l'épisode final. D'abord, je vais installer deux gros tiroirs pour mettre du matériel électroportatif, en général pas sur batterie, et que j'utilise peu, mais qui va donner aussi du poids et de l'assise à ces deux établis mobiles. La deuxième chose, il faut que je remplisse un peu le trou qu'il y a entre les deux éléments. Et enfin, il faut que je construise des bench dogs et que j'applique le fini sur les établis, et normalement mes établis ils devraient être prêts. Donc, dans le prochain épisode, les établis seront finalisés. Là, on a réussi à finaliser la structure. Et ils sont solides, ils sont bien lourds, et c'est exactement ce qu'on cherche dans un établi. Et surtout, dans un petit espace comme le mien, eh ben, ils vont être modulables. Alors, ils sont exactement à la même hauteur, ils sont aussi exactement à la même hauteur que ma scie sur table. Donc, si j'ai besoin, je peux me construire un petit espace pour découper ou percer un petit truc, ou je peux les rassembler ou même les éloigner pour pouvoir découper ou assembler des choses beaucoup plus grandes. Ça, c'est vachement intéressant. La dernière chose, tout ce qui est derrière moi, ici, là, tout ça, ça va être réorganisé, puisque c'est l'endroit où vont aller mes établis mobiles. Je vais construire aussi une espèce de bibliothèque pour mes boîtes en plastique. Je vais bouger un petit peu ma scie sur table. Enfin bref, il y a quelques améliorations. Déjà, je peux vous dire qu'après avoir passé quelques heures à pouvoir utiliser, même sous leur forme basique, ces établis pour poser des choses ou clamper des bidules, et ben en fait, c'est vachement bien et c'est vachement intéressant. Et je comprends pas pourquoi je me suis pas lancé dans ce projet plus tôt. Et aussi de pas avoir réfléchi suffisamment à la conception avant. Les plateaux en bois de palais sont vraiment géniaux, et je pense que ça va être un des outils que je vais utiliser le plus dans ma grotte, puisque c'est la base, avoir une surface sur laquelle on puisse travailler, on puisse s'appuyer et faire plein de choses. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour nous joindre sont dans la description, tu peux bien évidemment laisser un commentaire, et bien sûr tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu de pépette, ce qui nous permet d'acheter du matériel et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode 266, partie 2 de la construction des établis mobiles. En attendant le prochain, qui sera la partie 3, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.